Ce soir, c'est d'une tâche très simple dont je dois m'acquitter. M'introduire dans un manoir gardé, voler une babiole inestimable appartenant à un noble bedonnant et repartir tranquillement. Lord Bafford est absent et, selon la rumeur, le capitaine de ses gardes l'escorte. C'est le moment idéal pour un petit larcin. Le portail principal du manoir est toujours gardé et la grande rue est beaucoup trop exposée. Mais Cutty m'a dit qu'il y avait une autre entrée, sur le côté, plus discrète. Un seul garde et probablement aucun témoin pour compliquer les choses. Cutty veut un sceptre, de l'argent, des bijoux, comme d'habitude. Cela devrait valoir beaucoup d'argent. Bafford, comme tous ceux de son rang, doit garder son trésor au dernier étage du manoir, près de son cœur et loin de ses serviteurs. Inutile d'attendre. J'ai la carte que Cutty m'a donnée et tout le monde est probablement en train de dormir à l'heure qu'il est. Il est temps de s'y mettre. Trop nombreux pour tenter une entrée. Hé, hey, je vais au fossé aux ours demain. Tu veux m'accompagner? Non, non. Pas pour tout l'or du monde. Quoi? Espèce de trouillard! Les ours portent ces nouvelles muselières avec les pointes sous les joues. La dernière fois que j'y étais, c'était sanglant. Non, non, ça me rend malade. Quand j'étais petit... Ha! Ça m'étonne que tu fasses ce travail. Oh! Ce sang, ça me retourne l'estomac! Mais tais-toi, espèce d'imbécile! Tu veux du sang? Ah bah t'aurais dû être là il y a quelques années. Là, les ours, ça valait le coup d'œil. Ces ours, ils avaient pas de pointe sous les joues, de colliers étrangleurs, de menottes. Rien de cette ferraille qu'ils ont aujourd'hui. Pas de menottes? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se tapaient dessus? Non, bah les ours en ce temps-là, ils avaient des griffes aussi longues que tes doigts. Et des dents menaçantes. Les ours, tu me fais marcher. Ils ont pas l'air bien méchants. De plus, ils n'ont pas de harnais. Bah c'est pourquoi je supporte plus les fosses. Tu sais pas ce que t'as manqué. Ah, des ours comme ça, on n'en aura plus. Waouh, des ours tueurs. J'aimerais voir ça. Serait-il possible d'être un peu plus serviable? Mmh.
tant qu'à y être, autant que je me serve aussi. Enfin à l'intérieur. Je pensais, monsieur pourrait vraiment renforcer un peu la sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui va pas chez nous? Nous, ça va, mais je pensais... On devrait davantage surveiller l'extérieur. C'est stupide! Les gens qu'il faut protéger, ils sont à l'intérieur! Mais alors tu pourrais les surprendre avant qu'ils entrent, guignol! Thank you.
Il y a quelqu'un ? Qui était là ? S'il vous plaît ! Alain ! Ne le laisse pas ! Thank you.
Thank you.